arrivé dans phase historique. Ça qui passe à Haïti là, il n'y a pas petit du tout. Et Haïti arrivé dans phase, quel que soit le monde qui a mis croix devant, il trouve le dilemme pour l'exprimer. Il y a des gens qui ont parlé, justement, ils ont obligé de mettre dans la situation, est-ce que si ils dit tel bagaille, est-ce que ça n'a pas fait au père du fanatique? Est-ce que ça n'a pas fait au père du supporter? Est-ce que si me dit tel bagaille, ça peut aller dans le sens tel monde ou bien groupe monde? Et ça te fait. On toujours tenté de prendre recul et nous avons constaté depuis quelques temps là. Nous décidons de faire émission dans ce style, pardon. Et le résultat, le marché comme ça. Nous pas éviter leader de parler ici. Hein? Nous avons une raison fondamentale là. Parce que c'est même disque, même parole, yo, et charger l'autre côté, on parle chaque jour. Donc, ils n'ont pas obligé de parler ici ya, pour répéter même cause. Yo. Donc, quittez-moi avec peuple là. Nous parler, nous baïti blague, nous rire, nous comprenons ça. Nous n'avons pas besoin de jouer des bêtises, faire mon fâché. Parce que vous venez trouver une situation, côté que obligé à parler pour faire un goût plaisir. Alors que l'autre catégorie qui frustré. Et c'est ça, je toujours dit que, confrère moi, on nous tente de prendre recul ça. On bat pour ne pas diriger par un groupe ou bien par un citoyen, par un nègre politique. Parce que automatiquement, nègre la contrôle ou vine pas gagner toute liberté, bouche ou encore. Ou obligé pour y dans. Et gant pile nègre qui dans les médias qui gagne difficulté pour parler pour pays. Parce que yon pas gagne contrôle vente yon. Yon pas gagne contrôle bouche yon. Parce que nègre la c'est vrai, yon micro, la parler, la dénoncer les bagages. Cependant, il y a limite. Parce que tel leader politique, c'est patron. Tel leader politique, c'est boss li. Ni kiki. Parce que tel leader politique, c'est lui-même qui permet que nèg la mette gaz dans la machine ni. Tel leader politique, c'est lui-même qui permet journaliste la parler dans le téléphone parce que faut qu'il mette minute pour lui, etc. On prend distance nous et ça te fait nous parler. Ça nous vle ici, hein? Sans barrière aucune. Par exemple, quel leader qui carré dans quel nèg politique qui carré l'en, en quel nèg secteur privé des affaires qui carré l'en, vous dire en tête mon cher, et pas parler tel sujet, non? Parler ça à pito. Pas de barrière comme ça. Et quel que soit média, nous avons travaillé là-dedans, que nous avons restriction ça, eh bien, on va trouver automatiquement place nous là. Mais ça va jamais arriver. Que le gain dans Zenith, RCH 2000, que le titan dans France Inter, etc., arriver dans passer sous émancipation, nous n'avons jamais de problème ça du tout. Parce que je suis supposé libre pour m'exprimer, penser. Et automatiquement, je ne suis pas libre pour m'exprimer, ça me senti, place moi pas là. Nous clair sur ça. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que nous venons arriver dans une situation qui est complexe. Complexe et compliqué. Mais ça fait quelque temps. Ça qui a passé là, il n'y a pas de nouvelle. Parce que je vais apprendre ça en journalisme. Pour une nouvelle, il faut que les nouvelles. Sinon, il y aurait ça des chiens écrasés. Vous entendez ça dans l'île Valcourt, qui élève Maurice. Il y aurait ça comment? Des chiens écrasés. Parce que pour une nouvelle, il faut que les nouvelles. Donc ça qui a passé à Haïti là, il n'y a pas de nouvelle. C'est justement, les vins paraissent comme s'il rebondit. Ou bien Livine prend l'autre ampleur, li amplifié. Mais li pas nouvelle. Parce que comment il m'a. Pas gagné quelqu'un dit ça, ça fait quelques temps, m'a dit bah ça. Moi, dit la société, pas gagné aucun côté sous la terre pour gang à l'aise. Ça n'existe pas. Pas gagné aucun côté sous la terre, bandit à l'aise, si c'est pas bandit qui a dirigé. Est-ce que nous. Dans... Je répète ça chaque jour ici. Hein. C'est parce que mon bagage que m'a senti. Nous t'es senti que dimension gang yo apprend, bon le abrivé, qu'on dit pasteur Mallory te dit nos messages, mettre chien pral perdu contrôle chien. Et c'est exactement ça qui arrive là en Haïti aujourd'hui. Nèg yo créé chien yo, qu'on y a mettre chien yo perdu contrôle chien yo. Yo m'a enragé. Et lorsque chien lui m'a enragé, même mettre l'a mordé. Rendez bien, lorsque chien enragé, même mettre l'a mordé. Qui ça veut dire? Ça veut dire que, nèg yo créé situation yo, et c'est ça que fait me font rappel. L'homme te évoqué question Noam Chomsky, l'homme t'a parlé de stratégie manipulation de masse. Et ça, c'est une là-dedans. Nèg yo créé problème yo, et puis yo proposé des solutions, alors que c'est yo créé. Pour qui ça vous fait ça? Pour yo ka montre yo toujours important dans yo, ou pas ka fonctionner sans yo. Est-ce que vous comprenez ce que je vais expliquer là? Eh bien, c'est la réalité. Donc, la réalité, nèg yo créé problème yo, yo créé situation de crise yo pour n'y a bagarre la vin éclater dans visage yo, yo pas gen possibilité pour yo continuer. Eh ben bah la vin éclater trop pour yo et même yo la gen dans courir. Ça veut dire chien décidé mandé mettre li. Pendant ma parole avant là, la presse internationale dont les États-Unis n'a bousqué Ariel ou en côté Ariel passé. Ah, bon moi même ça me tendait sur Ariel.
on va le partager un petit dossier avec nous. On pas ta jambe souhaiter dans place Ariel Henry dans vie. Tenez bien, ça m'attendait sur Ariel Henry. On parle à un ami qui en République dominicaine. Selon ça le rapporte, qui parlait avec un sénateur dominicain. Monsieur dit ça le tendait yo rapporte, ça le tendait yo dit lui-même son petit goutte d'eau là le prend et chaque côté le passait, il sentit honte la couvrir visage lui. On va le ban un petit dossier tout à l'heure. Ça veut dire que l'on a une situation côté que ou pas respecter moun. Eh bien, ça que j'ai. Gon le ka privé justement. L'on a craché en lait. C'est dans le visage où l'a tombé encore. Parce que quel que soit nègre, quel te journaliste, quel te patron média, quel te nègre dans le secteur privé, quel te dirigeant politique, depuis ou a bay gang tete, gon le ka privé. Ou pas ta continue bay ou tete encore. Et son choix vous prend. René Garcia Préval, le monsieur retourné au pouvoir. Monsieur était en difficulté pour le diriger. Mais heureusement, monsieur a gagné appui. Mission ça qui est en Haïti, la MINUSTA. À l'époque, Mario André Sol était directeur général de police. Monsieur a déclaré, gang yo a deux possibilités. C'est soit nous d'accord à entrer dans un CNDDR, ou bien nous allons en prison jusqu'à trois, ou bien nous mourir. Monsieur ferme sous ça le dédia. Et de fait, grand pile chef gang qui est dans la prison, grand pile vrai qui était arrêté, même si il y a un confiolo avec tout. Parce que son pays comme ça. Ça veut dire, nous tous d'accord, collaborer, participer, endosser question gang. Mais attention, même si vous parlez aujourd'hui, ou après demain, parce que j'aime souvent dire nous, quel que soit nèg kap parle ou kap dou, li gen préférence pour gang. Tôt ou tard, li gen pour entrer dans gang. Parce que gang yo di yo sans froid ni loi. Ou pas qu'un citoyen avisé pour gen préférence pour gang. Hôtel gang, oh nèg ça, on a des agents sociaux, yo ye, oh, et GPEP qui criminel. Non, non, G9 c'est bon moun, non, GPEP c'est bon moun. Eh bien, nous divisons pays à comme ça. Nèg yo créé G9, nèg yo créé GPEP, bon parti dans GPEP ou bien tout GPEP, yo dit c'est pour l'opposition. G9 c'est pour pouvoir. Et puis, vous mettez entre yo, qu'on y a ça qui passe. Ni pouvoir, entre guillemets, ni opposition, yo perdit contrôle ni G9 ni GPEP. Qu'on y a yo, ni GPEP ni G9, ils mettent ensemble, yo formons bagay, yo les vivent ensemble. Et puis, ça qui passe, qu'on y a. Et puis, chien à moi de mettre li. Chien à moi de mettre li. Vous comprenez ça? Et puis, à partir de ce moment, bon réalité qu'on besoin comprendre. Elle a pas le pété. En pile dans mettre chien, on commence à identifier yo. Et puis, n'est-ce pas montrer vrai visage yo. À partir de ce moment, il y a des visages qui étaient en bas masque, qui commençaient à dévoiler. Des voiles qui sont sortis pour l'instant. Moins digne ça la société. Et m'écris sur ça tout à l'heure. Tendez bien. Grande moitié apprendre moitié bagaille ça. Yeah. Petit moyo, nous ka vicieux mais nous pas saf. Yeah. Vous comprenez ce que je veux dire? Yeah. Nous ka vicieux mais nous pas saf. Eh bien, écoutez petit proverbe ça. Yeah. À cause belle tête zeb, m'pap jamare bête moins préfalaise. Yeah. Bon, nous reprenons petit proverbe créole ça, parce que créole c'est langue non. C'est créole nouye. C'est créole nouye. Yeah. M'pap jamare bête moins préfalaise, parce que y'a belle tête zeb là. Yeah. Est-ce que nous entendez samedi là? Pour belle tête zeb, moi pas jamais marre bête moi préfalaise. Qui donc folie manger aran, que des aran sort bien aran sel. Pas jamais faire tomber dans dévorer ravette. Ça n'existe pas. Est-ce que nous dans des amdin là? Folie manger aran, que des aran sort bien aran sel. Pas jamais faire tomber dans dévorer ravette. Parce qu'en règle générale, ravette c'est dans la latrine yoshita et son vérité lié. Kovlel kovavlel. Y'aurait le matériel telus petit. À terre, petit peuple là, vois peuple là, voici là où le pagne voit. Et ça qui paraît d'où l'entendre en d'abdine que la presse trouvait ou non un dilemme là. Moi-même tout mon dilemme. Mais comme, j'en dis nous, la dimension nous est là, c'est pas nous pas dans niveau pour nous faire sensation. Premier dilemme la presse gen là, journaliste qui surtout a information, et me souhaitait, zami mieux qui surtout en Haïti, même si là sur réseau yo pour nous très prudent. En pile intox dans la rue, en pile intox, en pile infox. En pile tweet qui a fait, yo dou c'est un tel qui fait, c'est pas un tel. Faut nous qu'on vraie page moun yo, al vérifier sur yo, après ou pas écrit rien. Gen texte qui a écrit, yo dou c'est tel journaliste qui écrit, al vérifier sur vraie page yo, ou pas joindre ça. Donc en pile prudence parce que en pile intoxication dans la rue là. En pile image qui a partagé, yo dou c'est un tel, alors que c'est pas un tel vrai. Donc faut nous prudence parce que là, bah yo mélange. Donc, c'est pas un petit bagaille qui est là, c'est vraiment un gros tête chargé qui est là. Bon, la société nous démarre comme ça. C'est parce que, il y a arrivé un moment,
côté toute petite classe supposé mettre ensemble pour réfléchir et garder comment nous ca sauver pays a sauver dignité pays a Ariel Henry côté Ariel passé mais Ariel ah on t'a demandé pour Ariel mais Ariel Ariel ouais là mais Ariel Ariel qui est allé dans pays Kenya pendant monsieur Kenya monsieur profiter sion accord mais Ariel Henry et nèg yo fait ça en pile. Et c'est une raison de qu'on a dénoncé en pile bagarre que Jovenel Moïse te qu'on fait dans sens ça. Majorité déclaration Jovenel fait sous paysan, c'est l'heure de yon pays. Nous songez ça? Gon paquet de déclaration Jovenel fait, déclaration choc, c'est l'heure de yon pays. Ça veut dire que l'un des de yon pays a oublié si je dis, des médias, etc., réseaux sociaux yon existé, et caméra jouda toujours là, qui téléphone yon toujours là, n'a oublié ça a dit. Je suis arrivé Kenya, Jean Noël a brillé là, c'est là ça t'a parlé, c'est là ça t'a demandé mon comment on dit solidaire en anglais. Hein? Pendant que je parlais avec nous là, Ariel Henry a cherché comment on dit solidaire en espagnol. Ça va nous là, oui. Ariel t'a demandé nous comment on dit solidaire en anglais. Pendant que je parlais là, Ariel a bousqué comment on dit solidaire en espagnol. Ah, c'est pas la marée? Non, pas la marée là, c'est que n'a bousqué Ariel tout partout, mais monsieur t'a demandé mon comment on dit solidaire en anglais. Pendant que je parlais là, monsieur obligé à demander comment on dit solidaire en espagnol. Pas de problème. Eh bien, écoutez, Ariel Henry, l'arrivé Kenya, monsieur a annoncé plusieurs bagailles. Monsieur dit que l'Ibra organise l'élection dans fin août 2025. Alors que Ariel Poko gen KEP. Ça veut dire Ariel, maintenant, prend toute responsabilité li pour gérer toute bagaille sous dol. Parce que, pas oublier, Ariel, son goto, oh, Ariel Amatika, son papa. Ariel, son nègre, son jet. Alors, nous assurons que nous une émission historique. Branché, parce que nous avons dit que nous avons dérangé, mais nous avons payé la vérité. Et nous avons rappelé des bagages et tout. Nous songeons à Ariel Henry comme tout au Gondé. Dans une intervention que nous avons fait sur Radio Scoop FM avec Gary Pierre-Paul Charles, et là, il y a toujours parlé là. Tenez bien. Ariel Henry, nous avons déclaré que il y a un pouvoir dans elle, il est capable de nommer le cas révoqué, et il a même déclaré la guerre. C'est ça que fait l'heure de venir dans le pays Kenya. Nous ne pas qu'on ait ça qui passe dans la tête, parce qu'on est là, j'ai monté tout, avec 75 ans et plus. Qui donc, là, j'ai monté sérieusement. Vous sentiez, monsieur, on t'y crasse paniqué. Gardez visage, monsieur. Bah, récent, gardez visage, monsieur. Où est son nègre qui frustré, qui paniqué quelque part? Donc, monsieur, arrivé l'autre bois, il dit que fin août 2025, il prend l'organiser l'élection parce que faut qu'il remette pouvoir en 2026, qui tape 7 février 2026. Alors que Ariel, pourquoi bien CEP? Tenez bien, régie des gars. Ça veut dire pour Ariel, toute bagarre est en fait clair, c'est nous de pas qu'on est. Eh bien, attendez, non. Je me songeais que Ariel, sous scoop, qui ça, M. Dédit? Tendez bien, chez vous là. Est-ce que vous pouvez révoquer le remplacement directeur général? Vous pouvez révoquer le remplacement. Ah, il fait ça? Ouais, Jean-Pierre Joseph. Vous pouvez déclarer la guerre. Carrément, oui. Vous pouvez déclarer la guerre. Claire, vous pouvez déclarer la guerre. Tout le monde est parti de John. Mais il fait ça, oui, à pas le révoquer, Zamir, là, Jean-Tel. Jean-Tel, ça dit, monsieur, il vient de sentir que tout le pouvoir le plein, mais il a révoqué, il a nommé, il a déclaré la guerre tout. Eh bien, Kounia, ça qui passe. On va dire, non, ça qui passe, Ariel. Est-ce que vous pouvez révoquer le remplacement du directeur général? On va révoquer le remplacement du directeur général. On va déclarer la guerre. Hein? Soit on va déclarer la guerre. Pour qui ça y est, ça le dit? Nous, pas dans le gars, qui est-ce qui va déclarer la guerre là? Eh bien, ça nous. Et je dis, nous, pas déclarer la guerre. Pas de problème. Eh bien, je vous dis, les gars, vous avez déclaré monsieur la guerre avant. Il t'a semblé aucune raison sur lui. Pendant que je parle là, Ariel Henry. Monsieur pas ni chita ni coucher, ni dormi, ni camper, ni marcher. Parce que justement, Ariel trouvait une situation compliquée. Qui ça passe à Ariel Henry? Une tellement honte, moi-même comme citoyen, me dit que, me dit tête moi, est-ce qu'il y a une possibilité pour nous continuer à parler avec une série de nations qu'on a dit de ce pays? Pour qui ça? Gagné un média dominicain, on t'a regardé est-ce que c'est pour un blogueur qui a parlé? Non. Son média gagne plus par son million moun kap suivre li. On média gagne on passe son million moun, donc ça veut dire on paquet de bagay. Ariel Henry, selon ça, on zami, qui en République Dominicaine rapporté ce que ça le dit, li parle à ton sénateur dominicain, et tout média dominicain comme si yon faouché nous en Haïti. D'ailleurs, même font série de petites images pour montrer où tout avion a passé en l'air, mais yon évité sol Haïti ya. Parce que actuellement, Haïti en guerre. Tout avion évite-le. Selon ça, Zami a rapporté, Ariel Henry t'a semblé après l'équité Kenya t'a fait direction Floride. Monsieur t'est arrivé sous Miami, selon ça, Zami a rapporté,
OK, parce que nous pas là. N'a pas rapporté sa zanmi en dit le parler avec un sénateur dominicain et journal dominicain pral dit mais qui s'attrivé Ariel. Monsieur gen lettre qui Florida. Maintenant, ça semblait que selon information que tu as partagé depuis hier, yo t'a exigé ou bien chef américain, yo t'a demandé Ariel pour le rentrer dans pays, dégager le rentrer dans pays. Et gen même parole qui t'a dit comme quoi yo t'a ba mission période de temps pour le rentrer. Mais nous pas ka la gueule parce que nous pas confirmer. Mais parole là t'a parlé. Il va me parler dans question 48 heures. Maintenant, ça qui passe, Ariel Henry, selon sa amie rapporté que le sénateur Miguel Abdili, c'est que monsieur de Florida, et puis gagner une seule possibilité pour monsieur Tavin Haïti, c'est que c'est à partir d'un jet privé que monsieur Vin prend, et ça dit monsieur fait de Florida à New Jersey, hein, selon sa chef dominicain rapporté, donc de Florida à New Jersey. Donc, le monsieur arrive à New Jersey, gagner une forme de jet privé qui ont même un peu lourd proyau, qui résistait même si t'as une attaque qui fait pendant l'air, etc. T'as dit, ouais, Ariel là, monsieur a dépensé l'argent là tout sérieusement. Et qu'on y a fait le questionner. Donc, on y a l'autre bagarre de là, Ariel conseille la tout, il pas ta mallette. Eh bien, qu'on y a fait changer caleçon, Ariel a un problème. M'a quoi la rose Milan, m'a quoi le mounavel, m'a quoi le mounavel. Donc, qu'on y a Ariel là, monsieur en difficulté. Ariel en difficulté. Qu'on y a vieux caleçon, Ariel là, commencé à bagarre. Parce que Ariel là, tombé monter dans l'avion, pas qu'à descendre, rester dans l'avion. Qu'on y a qu'un monsieur a sauté, pas qu'à pire de mon. Non, mais, qu'on y a qu'un monsieur a sauté, il va pas manger bien, monsieur va pas faire vieux rêve, vieux rade sous l'île, il va pas changer l'île, vous comprenez ça tout, et il va pas arrêter ta cravate sur ouest sous l'île, ça dit, monsieur est en difficulté. Qu'on y a, il prend un avion de New Jersey étant pour aller en République Dominicaine. Quelle humiliation! Avant avion déplacé, selon les dires de ce citoyen, qui, selon ça le rapporté, parlait avec un sénateur dominicain, donc avant avion quitter New Jersey, il a contacté les autorités dominicaines qui baillent autorisation, il a cavini. La société, c'est là il dit ah oui. Le Ariel finit vivant en Dominicaine. Il vient dans l'avion, Tania Joseph. Et puis l'autorité dit non, l'avion pas carter, non, il va pas arrêter là. Tenez bien, tenez ça, me dit là. Me dit selon, allez bagar vini, me dit. Ça m'a dit que monsieur sorti Florida, il est rentré au New Jersey et de New Jersey étant, il y a un jet privé qui pourra le déposer en République Dominicaine. Gros l'argent, papa. Et jet ça au boule gaz. Yo dit, yo prend pile gaz, papa, bail spécial. Yo fin jouen autorisation pour yo aller. Et là, arrivé, y'a l'ordre qui passait pour avion pas atterri. Et puis, il passe ses blagues. Eh ben, attendez, non, la société. Un régie, des gars. N'a le gade journal, au média qui relè CDN 37. Attendez bien. CDN est 30 haïtien. Il dit gouvernement dominicain n'a pas autorisé avion privé à porter Ariel Henry, ministre pays d'Haïti, à atterrir sur territoire dominicain. Mais mon fou saisi. Depuis matin, là, son petit coup de l'eau va prendre. Oh! Tenez bien samedi là. Yo bail feu vert pour voler avec Ariel. Pour déposer en rep. Et depuis, il y a m'a dit ça. Et Naline, depuis, il y a m'a dit nous que. Il dit jamais à la mélanger là parce que au cap Marie Ariel, il a dit pas qu'à descendre au cap. Porte au prince tête chargée. Mais te gen signal Ariel t'a rentré dans l'aéroport pour ton prince là hier quand même. Kounya le fait que monsieur pas ka jwenn vol d'ailleurs ni JetBlue ni Spirit ni American Airlines yo tout annulé vol yo sous pays d'Haïti. Ka dit monsieur pas ka jwenn vol pour le descendre dans l'aéroport Maïgaté. Monsieur arrangel pour l'aller passer kay voisin. Il était peut-être prendre frontière ou bien prendre avion 30 minutes. D'ailleurs son rise pas volé. Kounya ça qui passé? Yo te fin d'accord pour avion en vol là monsieur. Et là, monsieur Rivé, gon l'autre qui passait qui dit yo, eh ben, gouvernement dominicain, il n'a pas autorisé avion privé qui a porté Ariel, le premier ministre d'Haïti, et puis il faut mettre Haïti à la donne, et ça lié, il n'a pas autorisé pour l'atterrir sur le territoire dominicain. D'après une source crédible, qui confirme le journal, le premier ministre haïtien, il supposé Rivé, non, alors, non, il était, Rivé, j'aime ça dire, ah ouais, ça m'y a gagné, t'es bien, mais hein? Monsieur Rivé dans l'aéroport, et t'es à Boro, m'baron l'aéroport ça, non, quand t'es là, m'baron qu'on a pile à Boro, aéroport, nous disons, mais ça qui plus, bah là, c'est nous, ok, aéroport, m'baron t'es à Boro, oui, m'baron est là, m'baron nous disons, quand t'es là, yo dis, c'est là, monsieur Teye, dans nous disons, et puis, donc, de New Jersey étant, le monsieur Rivé en République Dominicaine, autorité au dit que par un bail comme ça, il n'est pas autorisé, quel que soit avion ou pas autorisé.
Et selon information que média joignent, il indique que avion était obligé de faire demi-tour dans l'immédiat parce qu'elle n'est pas autorisé pour atterrir à Ariel Henry. Donc autorité sécurité de l'État dominicain yo. Donc il a dit on évalué la situation pendant plusieurs heures mais il pas finalement autorisé Ariel Henry pour entrer sous territoire dominicain. Ah vous mélangez. Kounia journal après continue puis devant libéral dit que le fait qu'ils font demi-tour ça semblait pendant la parler là selon même médias ils ont suivi que Ariel t'a pris en direction Porto Rico. C'est-à-dire même Ariel qui pas qu'a dit on y a pas de privé lié. Intérêt boa, on est qui n'a pas de privé. Oh, moi qui bois lié vrai, sur route 17 dans Paramus, New Jersey. Et moi qui bois lié, attendez, il a caché, il a caché. Eh bien, selon média, pendant qu'on a parlé là, selon média dominicain, Ariel prend direction Puerto Rico. Et ça fait d'où? Ariel qui a demandé comment pour y dire solidaire en anglais. Monsieur Kounia après aller chercher qu'on est, comment y dire solidaire en espagnol, parce que selon média, monsieur obligé font demi-tour et rapidement, monsieur trouvé dans Porto Rico pendant la parler là. Cependant, les autorités américaines, attendez oui, les autorités américaines, yo dit même, yo pas grand qu'un signal sur Ariel Henry. Et yo dit c'est seulement Ariel Henry qui a bail détail sur parcours li, yo même on a de monsieur. Sous quoi menton? Attendez dirigeants ça parler. Non, merci à le Conseil national de sécurité la Maison Blanche là, hein? John Kirby, dit États-Unis pas qu'on est qui côté premier ministre haïtien Ariel Henry. Tournez la quoi, John. Tournez la quoi, m'saisi. Sandra Lebert, VOA Creole, m'saisi, oui. Pendant ma parler là, la société, les autorités américaines, ils ont cherché Ariel. Tout côté dans le monde, devant le côté Ariel. Ils connaissent, pas dit nous, ils connaissent. Pendant ma parler là, haïtien cherche Ariel. Pour le bouquin, ils cherche Ariel. Vite l'homme cherche Ariel, et qui l'a appelé, ils ont cherché Ariel, ou vous prenez ça d'où? Eh bien, quand il est là, autorité américaine a cherché Ariel. Parce que Ariel est quitté le territoire, s'il passe au territoire, encore, il n'y a pas de contrôle. Mais si il a le Porto Rico, il y a un contrôle, Porto Rico, la caillou. Et même, tout le monde, quand il dit, merci à Sandra Lebert, VOA Creole, tenez bien. Porte-parole Conseil national de sécurité, la Maison Blanche là, John Kirby, dit États-Unis, pas qu'on est qui côté premier ministre haïtien, Ariel Henry. I'll let the Prime Minister speak to his travel, but I'm not aware that we have any keen sense of where his whereabouts are. Il dit qu'il était premier ministre, a dit qui côté lié, même pas au courant que nous, États-Unis, connaissons qui côté lié. Kirby dit que les Américains qui en Haïti pas en sécurité et États-Unis encouragent les partis. Par rapport à force sécurité multinationale, il dit que l'administration travaille avec membres du Congrès pour avancer le processus. Nous travaillons activement avec membres du Congrès. Je pense que nous pouvons tous reconnaître que c'est dans notre intérêt aussi, c'est la région. Il dit nous tous reconnaître que l'île a intérêt nous tous, avec l'intérêt région et certainement. Il a intérêt pour les Haïtiens pour plus de stabilité à calme dans le pays. Kirby fait qu'on est, les États-Unis travaillent avec Kenya, avec l'autre pays, pour voir s'ils sont capables de déployer une mission multinationale là, plus vite possible. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Merci Sandra. Merci en pilouis. Merci Sandra, merci en pilouis. Merci, oui, Régis Degas. Quelle est sa marche dans son papa? Tenez bien, Johnny et Dorsier. Pendant qu'on a parlé là, Ariel Henry, personne ne va prendre côté lié. Seulement médias dominicains, CBN 37 qui annonçait que Miss Darlene Gentuela, qui annonçait Ariel Henry, qui font demi-tour, qui pas qu'à atterrir en République dominicaine, qui retourne dans l'air flanant, monsieur. Il retourne à la gueule Porto Rico. Est-ce que Michel tout prend exil? Nous parlons. Est-ce que les autorités américaines vont obliger escorter Ariel maintenant en Haïti? Nous parlons. Ça seulement nous a dit. Jean situation présentée pour l'instant. Présence Ariel Henry en Haïti, c'est pralion irritant. On reprend samedi là. Jean situation présentée en Haïti. Présence Ariel Henry, c'est pralion irritant. Et Ariel doit faire en pile précaution pour yo pas Jovenel li. D'ailleurs, par contre, qui ça passé qui il a gon coupé fâché avec petite Lio parce que c'est même yo maintenant. C'est même yo maintenant. Mais nèg yo fâché tout bon. Et Ariel, monsieur dormi dehors. Monsieur dormi dehors. Et bien la société Ariel n'a caché. Ariel fait partie de monde qui a couru pour territoire perdu tout. Si madame injustice là, il m'a mis dans caché tout. Elle dit que l'injustice en France, il t'a allé. Il t'a allé en France, t'en es bien. Si madame ministre injustice là, elle me dit prophète, il y a brico, il dit le téléphone, elle t'a tout pour le passer le dossier de mec, on ne pas confirmer ça, mais elle me connaît, elle est en France. Et là, les usuliers, elle est en France. Elle dit, si madame prophète, il sait,
Koun yon wana ki sa emli prophète la go, monsieur Milse. Nèg de bion ye, nèg propre, consultant dans boîte l'État, nèg tranquille ou ye. Est-ce qu'on wè ki kote emli prophète la go? Est-ce qu'on wè la? C'est français la parle tout le temps, rete nan kilti. Il gen sel foli chef, zami Ariel, et bien yon vide mette le ministre de justice. Mais nan ki sa la gen, monsieur Milse. Milse, mon moun de bien, moun propre liye. Gen de tout nèg fè ye, mais e pa nèg kon kandit nan de blouse, etc. Bon, gade nan ki sa emli vin la go, koun yon. Professeur Milse. Eh bien écoutez. Emli prophète qui n'en cache tout, madame territoire perdu. Parce que madame ça te dit qu'on pas qu'être zone, c'est territoire perdu, etc. Ou pas qu'à faire. Eh bien, pendant que je parle là, c'est tout Haïti qui territoire perdu. Et ceci, premier citoyen pays, Ariel Henry, monsieur trouvé en difficulté, monsieur obligé d'en cacher à cause pays d'Haïti fait partie de territoire perdu. Donc, et pas seulement Marty sans et zone yotap dia territoire perdu. Côté madame ça, côté. Mais madame, non, là, nous songez, madame, côté. Injustice, ou t'as rien aller au CAI, pour capable. Non, mais pas avion. Hein? Mais pour passer Matissan. T'as dit oui? Ton péage. T'as dit oui? Il venait à Fochter Joseph. Nous l'attendons plus la même chose. C'est un flot policier. Non, pas même pas passer. T'as dit pas passer. Non, pas passer Matissan du tout. C'est-à-dire. Eh justement, c'est ça, Matissan. Explique-moi là. C'est-à-dire. Donc, je dis, pas perdu. Non, je dis, il y a des territoires perdus. Perdus. Tout de la partie, John. Yo, Zizu. Yo, conquis, yo, mesdames, on ne voit moi. T'as dit bien. C'est-à-dire. Je dis, pas perdu. Non, je dis, il y a des territoires perdus. Donc, laisse ça. Il y a des territoires perdus. Eh bien, je dis, c'est tout Haïti qui est perdu. Et ceci, ni ou même madame territoire perdu, ou n'a campé loin. Ni Ariel Henry comme ministre qui chef papa, monsieur territoire perdu, ni n'a campé loin, qui donc Haïti tourne automatiquement, il y a un territoire perdu. Et c'est ça que moi-même, je n'ai pas jamais de problème avec scientifique. Je n'ai pas jamais de problème avec l'école qui connaît, qui formé. Parce que réflexion, yo pousse yo aller loin. Je salue professeur Michel Soukar. Je salue Wendell Théodore de Métropole. Dans l'intervention, professeur Soukar a fait avec Wendell. Je t'ai expliqué gravité situation en Haïti aujourd'hui. Et il n'y a pas aucune volonté pour être ça bien là. Et monsieur dit, ou l'a dit prophète, c'est ça que besoin de comprendre, oui. Négavise, elle a parlé. Bon, Jean, il y a bagaille, yo. Li ouais ça qu'arrivé si on est pas fait. Et parce que le prophète non. Mais justement le bon sens dit que Jean nèg yo té bay gang yo pouvoir si on est pas fait du tout mais ça qu'arrivé. On salue jodi an professeur Michel Soukar. Tant de ti réflexion ça. Le problème gang en Haïti on capable résoudre en définitive comment éradiquer. Pas aucune force d'état qui peut résoudre problème gang ça là jodi an là parce que avec l'armement que vous disposez connaissance que vous gagnez, parce qu'il y a des débats qui ont fait là, c'est bon, bah, d'ignorant du tout. Donc à ce moment-là, il faut qu'on ait force supérieure. C'est tout. Le problème devient, sur le plan technique, le problème militaire. Donc résoudre le problème gang, c'est une force militaire pour résoudre. Ça nous vient là comme force militaire. Bon, la presse, si nous voulons ça résoudre en termes de force de frappe, mais tout autant que pour pas résoudre des problèmes économiques, des problèmes sociaux, pour mettre fin à cette société qui vous pousse une illégalité la plus absurde, la plus criante, Où résoudre là, c'est ça, mais la poursuite est devant. Donc, nous condamnons alors. Non, pas condamnés, il faut changer de IA, c'est ça qui vient. Comment? Pas que moyen, pas les options. Ah, mais faut bon, l'autre projet économique, l'autre projet social, l'autre projet politique. Façon que nous faisons politique en Haïti, c'est dit tout Haïti. Mais tout coup des monde qui joue à terre. Mais c'est toujours le monde qui connaît, qui a des moyens en main, qui a pas alimenté. Et c'est comme ça que ça a avant. Oui, pas de propre intérêt ou détriment du pays. Ça veut dire toujours considérer le pays comme le comptoir. Je considère Haïti dans mon comptoir, je ne considère dans mon pays. Michel Soukar, on va parler de. On a parlé là de hommes politiques. On a parlé tout de monde. Et hommes d'affaires tout. Et hommes d'affaires. Haïti c'est comme étranger, hein. Ah bon? Parce que Haïti c'est comme étranger, tu as financé Kako à tout. Donc je dis à la gagne étranger là dans nos autres. Non, mais parle de Kako. Oh, de Kako. Oui, mais pour je dis à nous seulement les politiciens et les hommes d'affaires. Pose une question, Wendel. Je pose une question. On prend une question banale, certes, n'importe qui est adolescent 18, 19, 20 ans, qui a besoin de beaucoup à répondre. D'après vous-même, c'est ça qu'a fait la journée aujourd'hui là. C'est ton guérilla révolutionnaire de gauche qui a fait là. Il n'y a pas résolu, non, déjà. Américain, t'as quitté, t'as déployé comme ça là, en toute indifférence. Et pas d'après, t'as. Tant de paroles ça. Bien, tendez le bien. Voilà, c'est mon cerveau qui a parlé là, tout dans la quotidienne. Ça dit, ouais, ça qu'a fait là, il n'y a pas dérangé, américain vrai. Comme si, pour nous là, dans les États-Unis, pour que tout le monde ça dans le pays là, je vais montrer des bagages tout à l'heure là, c'est pas qu'il faut crier. Alors que, qui est-ce qui forme police noire? Le Canada. Qui est-ce qui baille police la moyen? Qui baille l'équipement? Les États-Unis. Pour nous donner aux États-Unis, la France, le Canada. Pour yon marcher vous, l'écraser tout commissariat, et bien yon va dire. Professeur Zoukar, respect pour vous.
Tenez bien, oui, comme si. Nous prenons un complot, nous grand timon. Police nationale, nous, c'est deux pays qui gèrent. Disons trois pays. Les États-Unis, le Canada et la France. Sous pas comme ça déjà. Le Canada, yo participé dans la formation policière. Les États-Unis, c'est lui-même qui baille policier au équipement depuis sortie on a quatre académie. La France, li baille ti support, quelques petits bagages logistiques pour la police. Comme si dans le visage yo là, bandi exam décide d'écraser tout commissariat et puis pour ça qui passe. Et ça te fait haïtien calé genou. Où est-ce que ça passe Haïti? Il y a pas que haïtien sur réseau en tout cas parler dans diaspora. Nous songeons les bras élections Biden, Trump. Yo tout deux, nous parlons Trump, tu vas suivre tes journal, va nous Biden, Biden va délivrer Haïti qui mort. Nous sommes contents vrai parce que le bas, nous programme Biden pour un pile monde quand même qui a souffert Haïti de chance ici. Mais sans besoin qu'on ait, chaque pays a le problème pas ou dans le Biden nous venons contexte COVID, le vide la pays sous l'agrabat en matière économique. Tout le bien cher dans le pays, tout le tête blanc. Tout le tête blanc dans le pays là. Moi même comme papa, on petit mot athlète, on a acheté 18-20 dollars, oui, on a payé 40-50 dollars. Ça dit pays en difficulté. Biden là non contexte électoral. Li parle là le voyer troupe en Haïti pour le bon soldat qui la foin parce que ça va arriver contre lui. Qu'on y a li dou que li pas voyer troupe en Haïti. Et ça faut bousquer Kenya tout partout de côté. Allez jeune la société. Complot ça ne prend li pas petit dans des. Son gros complot lié. Tourne dans quartier John la gueule pour yo. La parler tout du monde. Et homme d'affaires tout. Et homme d'affaires. Ah, il s'est comme étranger hein. Ah bon? Parce que c'est comme étant j'ai atteint financé Kako à tout. Donc je dis à la gagne étranger là dans l'eau. Non, ma parole de Kako. Oh, de Kako. Oui, mais aujourd'hui, je dis à nous gagne seulement les politiciens, les hommes d'affaires. Je pose une question, Wendel. Je pose une question. Une question banale, c'est n'importe qui qui est adolescent, 18, 19, 20 ans, qui faisons beaucoup à répondre. D'après vous-même, c'est ça qu'a fait la journée aujourd'hui là. C'est ton guérilla révolutionnaire de gauche qui a fait là. Il n'y a pas raison de nous entendre déjà. Américain qui t'a déployé comme ça là.